Salut les amis de Fred de Mazer, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ça y est, regardez les amis, je vous l'avais promis. On est revenu là au bassin de Saint-Ferréol. Afin de faire une meilleure vidéo que la première, puisque vous l'avez vue. Et si vous ne l'avez pas vue les amis, je vous invite de suite à regarder cette vignette là et vous verrez qu'elle n'est pas terrible la première vidéo. Donc voici une nouvelle vidéo sur le bassin de Saint-Ferréol. Cette vidéo les amis, je suis accompagné de Gisèle et Philippe. Enfin Philippe est revenu. Et regardez, la vue qu'on a sur le lac, c'est magnifique. Par contre, lui, il a participé à la construction puisque c'est lui qui a décidé de faire le canal du Midi et le bassin de Saint-Ferréol pour l'alimenter. Monsieur Pierre-Paul Riquet. Les amis, on est sur la digue. On va commencer à faire le tour du lac. Il y en a pour une heure et demie environ. Allez, le canard, lui, il est heureux. Hein. Le lac de Saint-Ferréol est un lac de barrage français de la Montagne Noire situé sur le Lodot dans les départements de la Haute-Garonne, du Tarn et de l'Aude en région Occitanie. Augmenté par la rigole de la Montagne Noire grâce à la percée des Camazes, il est le principal réservoir d'alimentation en eau du canal du Midi. Le lac est situé dans la Montagne Noire, en partie sur Saint-Ferréol, commune de Revel, dans la Haute-Garonne, une deuxième partie sur la commune de Sorèze, dans le Tarn, une troisième partie sur la commune de Vaudreuil, Haute-Garonne, et une dernière partie sur la commune des Brunets, dans l'Aude. Un barrage situé au vallon de Vaudreuil sur un verrou rocheux permet de retenir les eaux du lac. Le village de Saint-Ferréol est implanté sur ses rives. Ce barrage a été construit par Pierre-Paul Riquet entre 1667 et 1672 dans le but d'alimenter le canal du Midi via la rigole de la Plaine, nom donné au petit canal qui descend jusqu'au seuil de Nauruze. Mais le volume de la retenue se révèle insuffisant. Après sa tournée d'inspection en 1685, Vauban décide de creuser la percée des Camazes et de surélever le barrage pour créer une réserve d'eau de 67 hectares et une contenance de 6 millions de mètres cubes. Ça y est, on vient de traverser donc la digue intégralement. Je vais aller sur ce point là-bas pour vous la filmer un peu mieux. Mais vraiment, c'est un merveilleux endroit, les amis. Vraiment ça, comme c'est beau. Alors, on a choisi de suivre les perches
du lac, qui est rempli, je tiens à le dire. On le voit au niveau du barrage, puisque vous pouvez le voir, on voit à peine un trait blanc. Je vais vous le zoomer. Mais ça veut dire que le niveau de l'eau est légèrement plus bas que dans la normale. Mais enfin, par rapport à Montbel, il n'y a pas à se plaindre. Il est plein. Ici les amis, on a un mini barrage. Allez, voilà les amis, on continue le chemin. Un beau chemin bien tracé. À côté, on a le lac. On essaye de ne pas perdre de vue avec les amis. Et de l'autre, on a un petit ruisseau là. C'est vraiment agréable. L'été, ça doit être, essayé d'ailleurs, puisque je l'ai déjà fait, très très agréable. Les amis, sur l'arbre là, vous voyez un amas d'ouvier, le champignon qui permet d'allumer le feu quand on le laisse sécher. Et pour cela, je vous conseille de vous reporter à la vidéo que j'ai faite au parc de la préhistoire de Tarascon sur Ariège, puisque on en parle. Voilà. Pour info, on a cherché les infos avec Philippe et Gisèle. On avait tout sur le bout de la langue sans pouvoir le sortir. Alors voilà, regardez. Alors, ici, on voit encore écrit Haute, donc c'est Haute-Garonne. Et là, ça doit être le Tarn. Bon, c'est effacé, mais là, on arrive à lire Haute. C'est en partie Haute, c'est le cas de dire. Il va y avoir écrit Haute-Garonne et Tarn, avec la limite ici. Voilà. Et là, on est donc dans le Tarn. Allez, on poursuit le chemin. Alors, les amis, vous le savez, j'aime marcher sur le chemin de randonnée, mais là, regardez, je suis trop tenté d'aller au bord ici du lac, donc on va descendre. Gisèle vient de se faire un bâton de pèlerin. Regardez-moi ça comme c'est beau. Ah, pour moi, le lac, il est quasiment plein, là. Il manque pas grand-chose. Vous voyez, normalement, il arrive là où je mets mon pied. Voilà. Et là, vous voyez, le niveau de l'eau est là. Donc, il manque pas grand-chose. Enfin, ça fait beaucoup remplir, quand même. Surtout dans cette période. Et pensez que cette eau-là sert donc pour le canal du Midi. Entre autres, je pense. Moi, ça, comme c'est beau, les amis. C'est vraiment magnifique, le lac. Et puis, ces arbres, là. Je ne sais pas si c'est des sols pleureurs. Je vous invite à me le dire en commentaire. Mais en tout cas, ils sont magnifiques. On va s'en rapprocher. J'essaie de ne pas gêner tous les pêcheurs qui sont au bord du lac, forcément. C'est beaucoup mieux pour pêcher d'être au bord du lac que d'en être loin. Allez.
Regardez-moi donc les sols pleureurs, les amis. Si je me trompe, vous corrigez sur les commentaires. Hein. C'est pas des sols pleureurs. Voilà. En fait, c'est Gisèle qui avait l'idée des sols pleureurs, donc je la balance. Non, on ne sait pas. Enfin, c'est quoi hein? On ne sait pas. Non. C'est des arbres. Ouais, c'est pas des sols pleureurs. De loin, on aurait dit, mais pas. Dites-le en commentaire, s'il vous plaît, les amis. Merci. Vraiment magnifique ces arbres. Allez, les canards, puis. Ils essaient de remonter le courant. Compliqué. Les amis, regardez la preuve qu'ils sont en train de remplir le bassin. Vous avez le cours d'eau là qui alimente directement le bassin Saint-Ferréol. Ce qui me rassure puisqu'on saura que la gerbe va être active. Alors les amis, ici on voit des colverts. Vous avez aussi des oies cendrées. C'est magnifique. Et si je vous fais ce plan là, c'est grâce à Philippe, puisqu'il m'a dit, regarde, tu devrais filmer là. Il reprend du service, l'ami. Regardez les amis, on voit la digue juste en face, donc on a fait légèrement plus que la moitié. C'est magnifique. Je veux pas déranger les pêcheurs, donc je m'approche pas trop. Mais c'est beau. Alors les amis, on est très heureux de faire ce tour du lac pour deux raisons. La première, c'est que la première vidéo était pourrie. Et la deuxième raison, c'est que ça me fait un petit pèlerinage. J'aime bien venir chaque année ici pour voir cette vue que vous pouvez regarder avec nous. Regardez-moi ça comme c'est beau. Amis, regardez les petits pins qui poussent par-ci, par-là. Alors que notre ami le soleil commence à apparaître. Allez. Allez, comme c'est beau. J'ai pas de mots tellement que c'est beau. C'est plus précis que la terre. Ah oui. Comme quoi il y a des phénomènes qui ne changent pas. Regardez-moi ça comme c'est beau les amis. Ici vous avez les canoës qui sont loués quand c'est ouvert. Et ici voilà, on est à la plage parce qu'on le reconnaît facilement, il y a du sable. Et l'eau ne va pas trop profond au début, justement pour la baignade. Et là-bas il y a la cabane et le sauveteur.
Alors ici, ça doit être un sport de l'extrême. Je sais pas ce que c'est que ça. Et là, par contre, les amis, vous avez un restaurant, vous avez... Qu'est-ce qu'on a dit qu'il y avait Restaurant et salle de conférence. Salle de conférence, exact. Merci Philippe. Et autre chose. Écoutez, et, regardez sur Internet, faites comme nous. Un endroit pour louer. Voilà. Possibilité de louer, donc voilà. Pour info, ça y était pas la dernière fois que j'étais venu, il y a 2 ans. Donc, c'est toujours impressionnant de voir à quelle vitesse ça se construit, les choses ici. Par contre, la cabane des sauveteurs, elle y était déjà. Ça, il n'y a pas de souci. Alors, les amis, je vous ai dit n'importe quoi, comme d'habitude pour cette vidéo, je vais dire. C'est le nouvel espace sport nature du lac Saint-Ferréol, qui est désormais accessible. Il comprend un espace séminaire, un restaurant et une base nautique et sportive. C'est l'aboutissement d'un projet débuté en 2019 pour la communauté des communes des sources du canal du Midi. Voilà, maintenant vous le savez ce que c'est. Alors les amis, regardez, vous avez de temps en temps des sacs comme ça sur les arbres. C'est pour les chenilles processionnaires. Et vous avez aussi, je vous le filme, des cabanes à oiseaux pour que les oiseaux puissent venir nicher et s'attaquer donc aux chenilles, tout simplement. La nature fait le reste. Alors voilà les amis, on voit des panneaux. Ce qui nous intéresse, nous, c'est ça. Là, voilà. La digue. Attendez, vous savez que c'est là. Là, voilà, c'est ça, la digue. Digue Gervedon. C'est ça qui nous intéresse. Le tour du lac, on l'a fait. On est en train de le terminer, là. C'est vraiment magnifique. Et le soleil est avec nous. Allez, pour la fois qu'il y est, je vous éblouis, les amis. Allez, je rejoins mes amis qui sont là-bas. Voilà les amis, le tour du lac est terminé. On peut le voir une dernière fois avec moi là. Regardez comme c'est beau. C'est sublime. Voilà, alors bien entendu, je vais vous inviter à faire le tour du lac, à venir faire la randonnée ici parce que c'est vraiment superbe. Tout à l'heure, on est passé en bas là. Voilà, on a fait le tour du lac et c'est vraiment magnifique à faire. Je vous demande de, toujours pareil, de m'encourager avec un abonnement, la cloche de notification, un pouce bleu, partager les vidéos sur les réseaux sociaux et bien sûr, vous pouvez vous abonner sur ma chaîne, sur ma page Facebook. Voilà. Voilà les amis, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.